D'autres ne me connaissent pas. D'autres me connaissent déjà. J'ai longtemps été capitaine de la LAPD. J'ai longtemps servi mon pays. Je suis américaine. Je suis D16 pour le service détective bureau. Je suis 48 pour la CIA. Je me prénomme Laura Sinesh. J'ai 27 ans. Voici la suite de mon histoire. Oh, c'est à distance. C'est bon, on peut entrer. Oh, je vois, c'est la fête. Ah non, c'est plus la fête là. C'est plus la fête du tout. Mais non, mais passez, passez, vous inquiétez pas, le feu, pas non plus. Hein. Bon, je vais attendre que le taser se dissipe. Vous croyez que c'est du feu, mais vous inquiétez pas, si vous passez. C'est. Voilà. Oui. Oui, bon, attendez, on va aller dans cette pièce en attendant. Je savais pas que le taser était aussi puissant. Vous n'êtes pas pompier non plus, hein? Non, non, mais. Non, mais. Fermez la porte! Rentrez dans la pièce! On va éviter que le feu vienne se casser quand même. On a besoin des marshmallows. Oui, bien sûr! Des marshmallows avec du taser chelou. Pourquoi ça pue ta marshmallow chelou? Bon, par contre, je veux bien croire que le taser est inflammable, mais quand même. Bon, il est encore là-bas, mais bon. Si ça va s'étendre. Bon, allez dans la pièce, j'arrive. Alors, un peu. Allez. On va pas prendre n'importe quoi. On va prendre un revolver lourd. Comme ça, on va savoir si votre épaule se disloque. Bon, je vous donne le revolver lourd. Juste avant qu'on commence, vous allez me citer trois parties sur une arme qui sert pour se sécuriser ou qui a une utilité importante. Théoriquement, le cran de sûreté pour éviter tout tir accidentel. Ok. Le viseur, qui, comme son nom l'indique, sert à viser. Okay. Évidemment, Comment s'appelle le viseur? on va. Sur un pistolet, je veux dire. L'amir. Oui, mais ça peut s'appeler un autre nom aussi. Indice, ça peut être un nom de l'animal. Chien. Duel. Ok. Encore un autre pour moi. Le chien, c'est ce qui est à l'arrière qui sert à taper pour Ah oui, que le merde, coup se juste, oui. barre. Oui, non. Oui, non, mais en fait, laisse tomber. Oui, bon, après, voilà. Bon, bien sûr, je le savais, c'est un piège. Hein, voilà. Et vraiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous Non, le non, savez, mais. bien sûr. Non, non, c'était un piège. J'ai fait exprès. Vous savez, Oui. j'ai fait exprès de faire Et qui dit comme ça, je sais pas. pour DB L'écoute. qui prend en charge par un véhicule type 4x4 rouge. Putain de merde, mais essayez de venir de la tirer jusque là. Est très bien, ouais, Au pire, essayez de fuir, hein. Vous avez des sirènes.
Bref, ok. Oh, putain, aïe, aïe. Bon, on va rester là, du coup. Ouais, bah au pire, venez avec moi parce qu'on vu ce que j'entends dans ma radio. Bon, et puis l'ambulance, hop, elle va faire un transfert. Et l'hôpital. Ouais, Pour le matos, c'est mieux que les chambres avec l'ambulance. allez. Alors, je vais localiser son véhicule de patrouille. Ah, c'est pas j'ai jamais cassé, j'ai un mal de tête. Mais merde! Un peu vite. Je peux pas descendre, je suis bloqué. Ok, bon, ça bougeait pas. Pas descendre, je suis bloqué au niveau des genoux. Oui, bah puis on va découper la porte. Vous avez de quoi découper voilà. La porte du coup? Je crois que ça s'appelle un écarteur, je crois. Ça, je crois qu'il va falloir un écarteur pour. Hop, les trois boîtes. Ouais, moi aussi. Mais disons que c'est rapide votre écarteur. Parce qu'il était pas si bien coincé que ça. J'ai le nez qui saigne, j'ai mal à la tête, je suis que au niveau des yeux, je peux rien faire. Oui, mais il faut en découper le volant. Hein, encore une voiture que vous envoyez à la casse. C'est pas de ma faute. Hein. Bon, je dis ça vraiment bien entendu. Oh, ça peut se réparer. Tout peut se réparer. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé hein, où vous êtes. Vous avez du mal. En fait, vous voyez le feu rouge au plus loin là, au fond. J'ai Ouais. arrêté. Parce que la deuxième m'a pris, hein. J'ai arrêté, la voiture m'a poussé et il s'est énervé, il m'a poursuivi et j'ai fait demi-tour pour vous rejoindre. Et il m'a poussé et puis je suis atterri malade jusque là dans le mur. La tête qui a tapé, donc vous pouvez voir, j'ai une kiné. J'étais mal à la tête et puis là je suis bloqué. D'accord. C'est réglé, monsieur. De toute façon, la dashcam a tout filmé de la voiture et ma dashcam. Alors, malheureusement, Bon, ben. si elle était derrière vous, la dashcam n'a pas filmé que devant, donc. Oui, mais quand j'ai. Oui, c'est sûr, mais. J'y vais doucement, j'y vais doucement, les gars, j'y vais doucement. Mais j'ai même pas l'éteinte de la voiture derrière, je sais pas comment elle est. J'ai mal au nez, j'ai le nez qui saigne. Oh, c'est mignon, vous allez vous. Arrêtez, c'est libéré vos jambes. On va pouvoir vous appeler Donald, du coup. Ok, normalement là c'est bon. Est-ce que vous pouvez les bouger un peu? Oui, c'est bon. Ok, maintenant, les saignements.
C'est demandé, c'est pas non plus bien grave. Non, non, mais ça va, j'ai pas mal au niveau des jambes, mais c'est au niveau de la spinée et de la tête, en fait. Hein. Bon, je vais bien. C'est pas mal. Ah, mais depuis que je suis arrivé, hein. Depuis que je suis arrivé, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, Ok, mais tu prends la. laissez, laissez parvenir que vous soignez, je veux. Il faut le nécessaire. Et arrêtez de parler, Donald. Moi, je suis piqué. Par contre, je vais faire rire au sport d'ambulance parce qu'elle est ouverte. Bravo, monsieur. C'est la porte ouverte. Ah, oh, ça va, ça va. Je décide pas. Je vais baliser avec mon véhicule sur le trottoir. En photo ou comment ça se passe? Mais je prends en photo l'accident quand même pour le rapport. Aïe aïe aïe, j'ai pas mon pain, c'est mal là, c'est mal, arrêtez, aïe 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. aïe. Doucement là. Eh ben, c'est bon, j'ai raté, c'est bon, j'ai raté. Bon. Je vais me mettre sur le brancard, je vais chercher le brancard. Pas de souris. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Wow, 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 wow. Oh, dégage du tout d'ici. Alors. Mais t'as vu, là, sur un brancard, si vous avez besoin d'aide, j'ai aussi des gants. Mais ça va faire mal. Eh ben, Ok, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup-là. je vais vous aider du coup. Un peu de délicatesse. Mais En vraiment, plus de c'est parce l'accoutumée. que vraiment mal, vraiment mal. Mais non, allez, hop. Au pire, mettez-vous. Ah, lieutenant, vous êtes un homme ou vous êtes une lavette, hein? Hop, allez, on va le mettre à Et l'intérieur. doucement. On sent. Ah, Tiens, c'est bon, juste là. nickel, nickel. Je vous mets un peu de morphine pour calmer tout ça maintenant. DB pour Deux, 131. le strict minimum. Demande un D51 pour 6-4 Lincoln George William 611. Véhicule de police. Précisément service à l'épidémie. Ok. Bon, non, on va à l'hôpital pour l'examen. Non. Ouais, hein. Gaz. Je peux pas rien dans 4 jours. Oula oula. Doucement, je vais gerber. Hein. Aïe aïe aïe, doucement, doucement. Aïe aïe aïe. Ah non, mais on roule vite. Pas rouler doucement. Comme ça. C'est pour ça que vous n'avez pas monté dans l'hôpital pour agacer. Hein.
Allez, on va prendre en charge. Laisse pas mal à la tête. Qu'est-ce qu'il parle FBI lui? Oui monsieur, pourquoi vous parlez du FBI? Monsieur! Des questions des fois sur les gens. Non, je vais vous confier entre les mains expertes des médecins. Ils vont vous faire passer toutes les panoplies de tests. Vous reviendront quand on finit. Enfin, quand nous aurons fini les tests, nous donnerons le diagnostic. Bon, à tout à l'heure, lieutenant. Ce qu'on est en train de faire, du coup. La vache. Et les PD pour MS. MS à l'écoute. Du coup, c'est un grave, j'ai juste un torticolis. De toute façon, je vous ramène le papier. Vous êtes vous situé où là? Emination, mais prenez un taxi. Très bien, j'arrive avec un véhicule. Un taxi.
avez toujours le revolver que je... Est-ce que je l'ai pas repris du coup? Oui, je l'ai toujours, malheureusement. J'ai pas trop le temps de vous le rendre là. Oh, mais par contre, cette fois-ci, je vais neutraliser de manière forte. J'arrive pas à neutraliser ce con. Au revoir. C'est bon pour entrer. Juste pour info, il y a des copains. Fais un geste. Et les Speedy, voilà, bonjour. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Cette ville, c'est toujours le même cas. On est toujours obligé d'appeler un certain tonton. Bref. Et bon, du coup, vous allez reprendre le revolver, du coup. Ah non. Est-ce que les chiffres ici ont changé? Parce que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de PA. C'est la seule vie que taxi. Non, ça a pas changé. Eh bon, alors. Voyons voir si vous êtes attentif. Cinq, trente, dix, quinze, 25. Il y a un 30 déjà, il n'y a pas de 30. D'accord, ok. C'est bien. Bien, le dernier là-bas, je vois pas lequel que c'est. Il y a 25, mais. Jusqu'à 25. Oui, 20, ok. Donc, 15, 10, 25, 55, 25. Mais il n'y a pas de 55. Ok. Ok. Bon, maintenant je vais vous dire des chiffres et vous allez tirer d'un autre côté. Donc, pour commencer, on va commencer très simple. 5 gauche. Vous pouvez tirer. 5 gauche. 5 droite. 15 gauche. 25 droite. Ok. Vous allez me vider, vous allez recharger, remettre des balles dans votre truc. Maintenant, vous allez me tirer une. Vider votre serveur sur le mur qui est en face de vous. Est-ce que vous avez mal à votre épaule? Non, ça va. Est-ce que vous avez senti votre épaule qui s'est disloquée? Pas mal, vous avez compris. Disloqué, non. Ok. Oui, bon, désolé, moi je suis pas médecin. Ok, bon, on va faire un peu plus compliqué. Palier, petit palier au sol à droite, premier palier à gauche, au plafond. Quand je dis palier. Petit palier au sol à droite. C'est les bitonniers en béton là. Oui, oui, au sol. Ok. Vous avez dit au plafond. C'est que j'ai dit pilier, premier pilier au plafond à gauche. Ok. Faut bien préciser hein. C'est ce que j'ai dit hein, justement. Moi j'avais juste compris au plafond moi. Ok. Et pourtant, je l'ai très clairement dit. Maintenant, vous allez tirer 15 gauche, 15 gauche, 10 gauche, 10 gauche, 10 droite. Deux fois 15 gauche. Je refais la thèse. Donc, soyez attentifs. 15 gauche, 15 gauche, 15 droite, 10 gauche, bon, c'est bon. 10 droite. On ferait attention, LPD pour l'ADB, on entend des résonances dans le centre de tir, et du coup ça fait fuir les gens. Du coup ils font n'importe quoi. Oui, bon, ça c'est comme d'habitude.
Bref, maintenant. Maintenant, soyez vraiment attentifs, on va passer vraiment à attaquer. Maintenant, il va falloir que vous soyez rapide pour tirer. 5 gauche, 10 droite, 5 droite, 15 gauche, 20 gauche, 20 droite, 25 gauche et 5 droite. Là, par contre, j'ai pas pu entendre tout ce que vous avez dit à la suite. On va faire pas tirer pour pas faire de conneries. Ok. On recommence. Donc, soyez attentifs, recherchez. 5 gauche, 10 droite, 10 gauche, 25 droite et 20 gauche. Ok. Oh, ça m'a l'air d'être bon pour déjà ce test-là. Je vais reprendre le revolver du coup. Mais... Venez avec moi. Allez, mais réveille-toi, toi, ça va. fait droit de deux. Alors, bon, maintenant je vais poser des questions médicales, mais bon, logiquement, si vous êtes médecin, je pense bien que vous avez des problèmes psychiatriques. Est-ce que vous en avez quand même? Est-ce que vous avez des antécédents dans Non, votre faudra pas famille? passer mes diplômes. Est-ce que vous Non avez des plus. antécédents médicaux? D'accord. Est-ce que vous prenez de la drogue de base? La drogue, c'est mal. D'accord. Vous prenez pas par exemple le cannabis qui est légalisé depuis 2019 au pays? C'est légalisé, mais non, c'est de la merde. Ah, ok. Ok. Alors, je sais même plus combien ça coûte le PPA, moi. La dernière fois que je l'ai passé, peut-être un peu. Alors, hop, je vais regarder ça. Pour vous donner Alors, là, du ils sont dans le coup. travail. Oui. Ah la vache! Eh bien, c'est un commandé, le PP1. C'est 20 500 le PP1 de pistolet. Vache! Eh oui. Oui, mon époque, je l'avais À payé payer. mon. Oui, ben, vous achetez les items que je vais vous sortir. Hop! Je le pose là, mais par contre je le tiens jusqu'à ce que vous payiez votre item, votre permis. Donc dans un chat bien sûr, dans l'épicerie, ou dans l'élimination, comme vous voulez. Évidemment que si votre enfant est ça va le faire, les gars. Oui, bah oui. I am a genius. I am a genius. Ici, malheureusement, ils prennent pas la carte bancaire. Et voilà, Ça c'est bon. paiement. Je vérifie si le paiement est accepté. Hop, et ok, c'est bon, c'est accepté. Paiement accepté. Du coup, je vous donne votre PPA. Est-ce qu'il faut Tant encore qu'on est. attendre pour avoir une arme ou... Il faut que vous attendiez une semaine supplémentaire pour avant de passer le permis. D'accord. D'accord, Donc, d'accord, d'accord. pendant ce temps-là, évidemment, ne prenez pas l'arme que vous trouvez dans la rue, sinon vous risquez de. Quoi que ce soit. Évidemment, parce que ce n'est pas une arme qui est à moi, donc c'est voilà. C'est un petit goût.
Vous venez pour me donner quoi? C'est que si je prenais une arme dans la rue et tout, c'était pas légal, moi. Hein. Non, mais je parle d'un chef qui Ah! visiblement Pardon. dort debout. Oh. Je viens donner ma résiliade, donc du coup j'ai un torticolis et du coup et je vous donne un travail de 3 jours. Oui, mais bon, après, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous êtes pas de mon service, il me semble. Vous allez au poste de police et vous déposez ça sur le bureau de votre capitaine. D'accord, très bien. Si je peux me permettre, à mon avis, je pense qu'ils vous ont mal ausculté parce que bon, torticolis, vous serez pas venu tout seul comme ça. Et puis je pense que vu l'accident que vous avez eu, je pense que c'était un torticolis. Je suis pas médecin, mais je pense que le choc a dû être plutôt violent. Je pense qu'à mon avis, vous serez peut-être certainement mort en fait aujourd'hui. Ce que je veux dire, vous ne serez pas obligé de me parler. Donc je pense qu'une petite consultation avec Monsieur Ferguson serait plutôt vraiment plus importante. Je suis pas médecin, hein, Monsieur Ferguson, mais bon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que je pense qu'il serait pas mieux ce qu'il sait s'il avait vraiment un torticolis. Surtout en vue de l'accident. Après, si. Un torticolis, après, il faut juste une minerve. Hein. Une minerve, ça n'empêche pas de marcher, ça n'empêche pas de se Bah oui. déplacer. Là, j'ai une lumière, mais ça se voit pas. Ouais, mais bon. Quand même, après. Après, c'est comme vous Par voulez. contre, avec un Non. torticolis, après, conseil, Wilson, reposez-vous. J'ai pas de maison pour me reposer, donc du coup, je me repose. Eh bah, l'hôtel, on s'en fout, un endroit pour vous reposer, quoi. D'ailleurs, il faut que je veuille avec vous là pour une maison. Parce que. Alors, pour l'instant, les travaux immobiliers sont en cours d'être faits, donc ça va être compliqué. Parce que moi, ça fait, j'en ai marre de dormir à l'hôtel, quoi. Je suis là, je dors à l'hôtel, où je suis dans chez les gens. Alors malheureusement, je vous aurais bien logé dans l'appartement fédéral, mais bon, l'appart est déjà petit à deux, donc bon. Non, attendez, attendez mercredi, normalement les immobiliers se seront faits.